Bonjour, bienvenue à tous pour cette huitième séance du SOCOSMA, le séminaire d'observation de la crise Covid-19 dans les sociétés du monde arabe. Huitième séance et neuvième mois de présence du virus dans nos quotidiens à l'échelle planétaire. Cette rapidité de réaction illustre la volonté des centres de recherche en sciences humaines du réseau français CNRS, ministère des Affaires étrangères, les UMIFRE travaillant sur le monde arabe, de montrer que les chercheurs en SHS sont à même de produire, de partager et mettre en réseau réflexion et savoir sur cet événement total. Mais outre les UMIFRE, ce sont aussi tous les réseaux de chercheurs en SHS qui sont mobilisés pour réfléchir et produire sur cette crise. C'est la raison pour laquelle nous accueillerons à la fin de cette séance Julien Marie de la Maison des sciences de l'homme Sud, basée à Montpellier, pour présenter le webinaire « Les sciences à l'épreuve des crises sanitaires et environnementales » et plus globalement la coordination nationale CNRS-INSERM et les travaux du réseau des MSH en France. Ce sera l'occasion pour nos confrères marocains et maghrébins chercheurs en SHS de prendre langue avec ce réseau s'ils le souhaitent. Retour cependant au SOCOSMA, monté à l'initiative du CEFAS, spécialisé sur la péninsule arabique. Il regroupe le centre Jacques Berck de Rabat, l'IRMC de Tunis, le CEDEJ du Caire et le CEDEJ Khartoum, l'IFPO à Beyrouth et le CEFAS à Kuwait City, Abu Dhabi et Mascate. Cette séance se tient sous l'égide du centre Jacques Berck à Rabat, avec deux intervenantes, Hendef Tourhi et Lisa Bozenbroek, qui seront présentées peut-être par Adrien Delmas, directeur du CJB, s'il nous rejoint, et sinon par Laurent Bonnefoy. Ceci est la première fois que nous proposons le SOCOSMA en format webinaire. La séance sera enregistrée et la vidéo placée sur la chaîne YouTube SOCOSMA, créée à cet effet par le CEFAS. Pour poser des questions aux intervenantes, utilisez la fonction dédiée de Zoom webinaire par écrit et la parole vous sera alors donnée par ordre d'inscription. Je laisse la parole à Laurent Bonnefoy depuis Mascate. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer ma courte introduction en évoquant peut-être bien l'intérêt comparatif de cette séance, toute l'importance en fait de traiter des questions rurales, notamment parce que la focale analytique qui a été dominante pour aborder la question de la pandémie a souvent été centrée sur les villes et plus particulièrement aussi sur les capitales, tout simplement parce que c'est là que sont concentrés les moyens de contrôle de la pandémie, les chiffres, mais aussi les médias, les politiques publiques, les infrastructures de santé. Et bien souvent, c'est aussi dans ces lieux urbains, dans ces grandes villes, que s'est concentrée en fait la pandémie. C'est là où on a trouvé le plus de cas. Et le biais, du traitement par les États de la pandémie, s'est aussi retrouvé amplifié par le fait que la crise sanitaire a considérablement réduit la mobilité des chercheurs. Et c'est l'intérêt de la présentation du jour que de pouvoir s'intéresser à finalement des zones qui ont été très largement sous-traitées. Et c'est des zones rurales qui sont aussi marquées par une forme de marginalisation qui a été, je pense, accentuée par cette crise. Je prendrai un exemple qui est lié à l'accès à l'éducation, l'accès à un certain nombre d'infrastructures. On a beaucoup parlé, je pense, à travers la région de la question du e-learning. Et dans une société qui est aussi, riche que celle d'Oman, ce prisme du e-learning a révélé un certain nombre de fractures entre la société urbaine, qui est dominante, et les sociétés rurales. Et je pense que c'est quelque chose qui constitue bien une entrée tout à fait intéressante pour aborder cette question des sociétés dans le monde arabe face à la crise. Alors, pour mener à bien cette réflexion qu'on espère comparative,
Eh bien, on va écouter deux chercheuses. La première est Hind Ftouri, qui termine une thèse en sociologie rurale à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II au Maroc. Donc, elle travaille sur le rôle de la jeunesse rurale dans le processus de changement agraire et des territoires ruraux. Et puis, la seconde intervenante est Lisa Bossenbrock, qui est chercheuse à l'université de Koblenz-Landau en Allemagne et est aussi associée au centre de recherche économie, société, culture. Donc, elle travaille sur la sociologie du genre et la sociologie de l'environnement, et les deux vont nous emmener dans des sociétés rurales marocaines et la façon dont finalement elles ont été confrontées à la pandémie de Covid-19. Très bien, donc Merci. vous avez la parole, Hind. Donc, merci tout d'abord à toute l'équipe Socosma pour cette invitation et merci particulièrement à Laurent et à Frédéric. Donc, sans plus tarder, je vais partager notre présentation. Voilà, donc. Donc, c'est partagé? Oui. Très bien. Il faut juste mettre en vision présentation. D'accord. C'est bien comme ça? Pour l'instant, nous n'avons pas l'interface. C'est-à-dire que nous voyons effectivement des éléments de la présentation. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas encore diapositive. Voilà, là, ça y est. Bon. Ah, c'était avant. Juste avant, c'était parfait. Donc, comme ça? Avant, on était en mode de diapositive qui était ouais. Ce qu'il fallait faire. D'accord. Celui-là, c'est le diaporama. Voilà, comme ça? C'est ça. Très bien. Donc, notre contribution, elle porte sur l'effet de la pandémie COVID et du confinement sur la société rurale marocaine. Donc, cette réflexion scientifique, elle s'inscrit dans le cadre de nos travaux de recherche et dans des projets de recherche dans lesquels nous sommes intégrés. Il s'agit notamment du projet Salidarad Jouj, à travers lequel nous essayons de comprendre les impacts sociaux et économiques de la salinité dans la vallée de Draa, et le projet du PC2 qui s'intéresse plus aux impacts de l'agriculture irriguée sur les relations de genre. Donc, à partir nous avons pu entamer une réflexion collective autour de l'impact de la pandémie en milieu rural, et ce notamment dans trois contextes différents, donc le Maroc, l'Algérie et l'Inde. Donc alors, pourquoi s'intéresser à la société rurale? En fait, au Maroc, les ruraux constituent environ 40% de la population rurale. En outre, l'agriculture joue un rôle capital dans l'économie nationale du moment qu'il contribue à 13% du PIB national et il permet ou il assure la création de 38% de l'emploi au niveau national, une proportion qui ne cesse d'augmenter quand il s'agit de création d'emplois en zone rurale et qui atteint jusqu'à 74% d'emplois créés. Et pourtant, au moment de l'instauration du confinement, les expériences des acteurs ruraux vis-à-vis de la pandémie ont resté peu connues, et ce parce que le traitement médiatique et scientifique a principalement porté sur les habitants des zones rurales, ce qui a exclu en quelque sorte les habitants en zone rurale. Et ce donc, du moment que cela fait plusieurs années que nous travaillons sur différents acteurs ruraux, donc au moment du confinement, donc nous avons senti la responsabilité de maintenir et de continuer à être en contact avec ces acteurs ruraux pour comprendre notamment donc, et combler la lacune autour de leur vécu de cette pandémie et des répercussions du confinement sur eux.
C'est ainsi qu'au moment, donc, au début de l'instauration du confinement, nous avons commencé à documenter les différentes expériences des petits agriculteurs, des femmes rurales, des ouvriers et ouvrières, donc, au moment de la pandémie, pour comprendre ou pour essayer de répondre principalement à la question de comment cette pandémie a affecté ou il a changé le quotidien et le vécu de ces différentes catégories sociales. Et puis, comment ils ont développé des stratégies à la voie de survie et d'adaptation et comment ils les ont mises en place pour faire face aux nouveaux défis qui ont été créés ou qui ont émergé. Et donc, une troisième question nous a interpellés, mais cette fois, c'est en rapport avec c'est-à-dire comment cette pandémie, elle affecte les sujets de recherche et d'une manière générale, comment elle affecte la manière et la pratique du terrain donc, au niveau scientifique. Donc, quelques inspirations théoriques qui ont cadré notre recherche. Donc, premièrement, on s'est inspiré de l'approche de description dense de Hirsch, qu'il a développée en 1973. Et ainsi, l'analyse empirique et la multiplicité des expériences sont au cœur de notre recherche. Nous ne les analysons pas afin de faire des grandes généralisations. Ne partons pas d'une posture théorique précise. Plutôt, à travers notre matériel empirique, nous cherchons à converser avec la théorie et les concepts. Un premier concept avec lequel nous faisons cet exercice est le concept d'intersectionnalité, qu'on pourrait définir comme l'articulation de différents rapports de pouvoir, comme le genre, la classe, l'âge ou encore l'ethnicité. Il nous permet de faire attention aux différentes identités et expériences de nos interlocuteurs. Mobiliser cette approche pour analyser les expériences liées à la pandémie dans un contexte rural est particulièrement pertinent, car d'autres chercheurs ont déjà souligné comment certains groupes ont été beaucoup plus touchés par cette pandémie mondiale que d'autres. Troisièmement, la crise de COVID-19 a mis en lumière l'importance du travail de care, de soins, donc care en anglais, qu'on pourrait définir comme tout ce que nous faisons pour entretenir, continuer et réparer notre monde afin d'y vivre au mieux. Ce monde comprend notre corps, nous-mêmes et notre environnement. Ce concept permet de mettre en lumière la façon dont les femmes ont connu une augmentation spectaculaire du travail de soins au cours de cette pandémie mondiale. Et ce travail dépasse souvent le cadre de l'économie rémunérée. Dans notre travail, ce concept permet d'analyser comment les stratégies d'adaptation ou de résilience en temps de COVID-19 peuvent également être considérées comme des actes de care. Finalement, pour mieux comprendre les différentes réponses des acteurs ruraux, nous nous sommes inspirés du concept de résilience en le définissant comme la capacité des différents individus ou groupes sociaux collectifs à s'adapter à des crises. Toutefois, en analysant la capacité de répondre à ces crises, nous prenons aussi en compte les inégalités de possibilités et de ressources pour faire ainsi. En termes de méthodologie, nous avons commencé donc des entretiens téléphoniques à partir d'avril et on continue actuellement à les faire. Comme Lynn l'a déjà dit, nous avons travaillé dans trois différents endroits. La première est la vallée du Drac. Nous avons fait 70 entretiens téléphoniques semi-directifs. Et ces entretiens, ils étaient soutenus avec des échanges de WhatsApp avec des agriculteurs qui nous envoyaient des photos, des vidéos, des messages vocaux pour, par exemple, illustrer la récolte de pastèques, mais aussi leurs nouvelles pratiques agricoles, le goutte-à-goutte, par exemple, qu'ils avaient installé. Aujourd'hui, on continue de suivre certains acteurs pour continuer de comprendre comment ils affrontent les différents problèmes auxquels ils font face. Dans les deux autres terrains, la plaine du Seix et du Raab, nous avons effectué une douzaine d'entretiens téléphoniques semi-directifs auprès d'ouvrières agricoles. Nous avons aussi commencé avec une enquête par questionnaire avec une cinquantaine de questions. Donc, dans un premier lieu, on a puisé de nos contacts téléphoniques qu'on avait déjà à travers nos expériences de terrain dans ces trois régions. Et par la suite,
on a procédé par la méthode boule de neige pour obtenir de nouveaux contacts. Donc, juste un aperçu des trois régions où vous avez travaillé. Donc, la première région, c'est la vallée du Drâa au sud-est du Maroc. Elle est caractérisée par une agriculture de subsistance dans les oasis. Et depuis 2007-2008, on retrouve dans les extensions à l'extérieur des oasis une nouvelle production qui a été mise en place de pastèques, dont une grande partie est destinée à l'export. La deuxième région est la région du Ralb, qui se situe au nord de Rabat. Celle-ci est caractérisée par la production des fruits rouges, dont la majorité est exportée. Et finalement, la région du Seis, qui est située entre les villes de Fès et Meknès, qui est connue pour le maraîchage et récemment aussi les arbres fruitiers, sont vendus principalement dans les marchés nationaux et une petite quantité est exportée. Et ces deux dernières régions attirent une main-d'œuvre nationale, dont beaucoup de femmes. Quelques réflexions par rapport à la méthodologie que nous avons par rapport aux méthodes que nous avons utilisées. Donc, en termes de points forts, les téléphones ou les entretiens par téléphone, ils nous donnaient la possibilité de maintenir le contact avec les populations rurales et aussi de continuer nos recherches. Donc, ça, c'était très important. Mais on a aussi soulevé différents points faibles. Donc, par exemple, il était très difficile d'atteindre certains acteurs ruraux qui n'ont pas accès au téléphone. Donc, par exemple, certaines femmes rurales, on a eu du mal à les joindre. Aussi, nous avons eu l'expérience de la difficulté de gagner la confiance de certaines populations et de parler de sujets sensibles. Donc, par exemple, avec les ouvrières agricoles, nous avons parlé de violences domestiques ou bien d'autres types de violences ou de conflits dont ils ont fait face pendant le confinement. Et ça, on a remarqué vraiment des blocages par rapport à ces sujets-là. Mais aussi, on rate beaucoup de choses parce qu'on n'a pas la capacité ou la possibilité d'observer le langage corporel des interlocuteurs, mais aussi, on n'a pas la possibilité de faire des observations. Et finalement, la capacité de comparer les réponses parfois normatives, socialement acceptées, avec ce qui passe réellement. Donc, par rapport, par exemple, aux distributions des tâches au sein du ménage, on va avoir une réponse socialement acceptée, hein, et peut-être les pratiques sont très différentes. Mais ça, on ne pourra pas vérifier. Donc, au-delà de ces quelques faiblesses, donc, ces méthodes nous ont été très utiles du moment qu'ils nous ont permis, dans un premier temps, de comprendre comment, par exemple, les jeunes producteurs de pastèques ont été impactés par la pandémie. En fait, ces producteurs, ce sont des jeunes agriculteurs qui exploitent des terres collectives à l'extérieur des oasis traditionnelles, dans les extensions. Donc, ils produisent des pastèques qu'ils combinent avec quelques cultures vivrières, essentiellement destinées à la consommation familiale. D'habitude, et comme la pastèque donc, nécessite beaucoup d'investissements en termes de rémunération de la main-d'œuvre, d'achat d'intrants et de produits phytosanitaires, ces jeunes agriculteurs, ils avaient l'habitude de prendre des prêts au début de chaque campagne agricole. Cependant, cette année, la récolte a commencé dans quelques semaines après le début du confinement. Ceci a provoqué un sentiment de peur chez ces agriculteurs qui risquent de ne pas pouvoir payer leurs dettes, comme en témoigne Hamid, qui explique « Lorsque le confinement a commencé le 20 mars, on s'attendait à ce que le déconfinement se fasse le 20 avril, comme annoncé. On s'est dit que l'on n'aurait pas de problème puisque la production ne serait prête que vers le 25 avril. Mais après l'annonce de la prolongation du confinement, nous nous étions préoccupés de comment nous pourrions rembourser nos dettes. » En fait, cette situation a créé donc de nombreuses contraintes chez les jeunes agriculteurs. La première est notamment liée à la pénurie de la main-d'œuvre. Et cette pénurie, elle est liée à plusieurs raisons, dont principalement la fermeture des mokhs.
En fait, les mokafs, ce sont les endroits où ces ouvriers et dans d'autres contextes, des ouvrières, ont l'habitude de se réunir et de se regrouper pour chercher du travail pour la journée. Mais cette année, avec les restrictions de mobilité, ces mokafs ont été fermés. Par ailleurs, donc, en temps normal, au moment de la récolte, donc, plusieurs ouvriers ont l'habitude de venir de plusieurs régions du Maroc, mais également de différentes localités dans la vallée du Draa, pour participer ou pour vendre leur force de travail en tant que pour la récolte. Mais cette année, à cause de cette restriction, donc, ils ont été dans l'incapacité de rejoindre ou de venir dans les extensions. La deuxième difficulté, il concerne notamment la capacité de ces agriculteurs à écouler leurs pastèques. En fait, peu d'acheteurs et d'intermédiaires ont pu et voulu se rendre sur place cette année, et même quand ils viennent, ils proposent des prix qui ne sont pas rémunérateurs, comme en témoigne Ahmed qui explique. Il y a un certain monopole ihtikar de la part des acheteurs, ils sont peu nombreux, c'est eux qui décident du prix, il n'y a pas d'autre alternative. Avant, quand il y avait plus d'acheteurs, on pouvait négocier les prix. Donc, et un deuxième problème qu'ils ont rencontré, c'est que par exemple, en temps normal, donc, ces acheteurs et ces intermédiaires, ils ne récoltaient que les pastèques qui sont de meilleure qualité et ils laissaient les pastèques de moindre qualité sur les parcelles. Ces pastèques-là, ils sont récoltés par les agriculteurs et vendus par la suite dans les marchés ou les souks locaux. Mais cette année, avec la fermeture des marchés, ces pastèques, ils sont restés sur place à pourrir ou bien ils ont été donnés comme aliments au bétail. À l'intérieur même de l'oasis traditionnelle, l'impact de la pandémie, il était quelque peu différent. En fait, à l'intérieur de l'oasis, les activités agricoles dépendent fortement de l'eau du barrage Mansour Dabi. Mais cette année, l'impact de la pandémie, il a été amplifié avec une année qui est déjà sèche à l'amont de la vallée et à cause de la salinité de l'eau en aval de la vallée. Donc, comme en témoigne Ahmed, donc, qui dit que cette année a été particulièrement difficile pour les agriculteurs qui n'ont pas de pluie. Donc, ils souffrent du manque de pluie et en plus de la crise de Covid. Donc, cette combinaison un peu montre comment l'impact de Covid a été impacté par l'accès ou pas à certaines ressources et comment également donc, cette pandémie ou les conséquences de cette pandémie sont venues amplifier d'autres contraintes. Donc, une autre contrainte ou problème rencontré, c'est celui lié à la restriction de mobilité qui a fait que les agriculteurs sans terre ou les exploitants agricoles qui d'habitude ont l'habitude dans les années précédentes de participer à l'opération de la récolte en tant qu'ouvriers agricoles, ils n'ont pas pu le faire cette année, donc ils ont perdu cette part ou bien une part supplémentaire dans leurs revenus. Par ailleurs, et comme les souks, ils ont été fermés, donc certains agriculteurs, ils ont eu du mal à vendre leurs dattes, qui sont, comme on le sait déjà, donc un produit qui est central dans l'économie oasienne. La pandémie fragilise aussi l'autonomie de certaines femmes rurales dans les oasis. L'exemple de Khadija l'illustre bien. Elle est divorcée et membre d'une coopérative agricole féminine qui est spécialisée dans la production du pain. Et lors des entretiens avec elle, elle nous a expliqué que la coopérative l'a beaucoup aidée, lui a donné de l'importance et une nouvelle identité. Et quelque part, ces coopératives, elles forment un autre espace légitime au-delà du domaine privé pour les femmes, et aussi contribue parfois à un revenu modeste. Pourtant, comme l'expliquait donc Khadija, la commercialisation du pain a été sévèrement affectée. De 100 à 200 pains vendus par jour, ils sont passés à 20 pains par jour. Et elle a aussi expliqué que l'avenir de la coopérative est aujourd'hui très incertain. La pandémie contribue d'autre part à la fragilisation du quotidien des ouvrières agricoles. Celles-ci forment un groupe très hétérogène. Ce sont des femmes célibataires, divorcées, mariées ou encore veuves. Toutefois, pour la majorité de toutes ces femmes, le salaire agricole est essentiel pour subvenir aux besoins de leur famille, enfants et parents
souvent en absence d'autres ressources. Elles n'ont souvent pas accès à la terre ni à d'autres revenus. Du fait des restrictions de mobilité et des rassemblements, il était interdit aux femmes d'accéder au Mokhaf. Donc, très difficile de trouver un travail agricole de jour, par jour. D'autre part, le confinement a coïncidé aussi avec la période de pointe de l'activité agricole. En temps normal, les ouvrières négocient des salaires plus élevés, dont une partie est utilisée pendant les périodes creuses où la demande en main-d'œuvre est peu élevée. Mais parce que le mot ref n'était pas, il était interdit ou elles ne pouvaient pas l'accéder, elles n'ont pas eu cette possibilité donc, de négocier les salaires. Donc, cette situation a provoqué des problèmes de différentes natures chez les ouvrières. Donc, premièrement, toutes ont nommé des problèmes financiers qui se sont manifestés comme l'incapacité de payer les factures et les médicaments, le problème d'assurer la scolarisation à distance des enfants ou bien d'assurer des repas corrects. Le témoignage de Philippe en illustre bien. Je n'ai pas pu assurer à mon enfant les moyens pour suivre les cours en ligne. Je n'ai pas un smartphone. Il n'a pas non plus pu suivre les cours diffusés à la télévision, car la nôtre est endommagée. Et je n'ai pas l'argent pour acheter une nouvelle télévision. D'autre part, toutes les ouvrières ont fait aussi référence à des problèmes psychologiques. Elles ont expliqué qu'elles avaient des craintes pour aller travailler. Elles avaient peur d'être contaminées ou bien de contaminer leur famille. Ici, il faut comprendre que dans un premier temps, quand il y avait le confinement, elles ont arrêté de travailler. Elles ont vécu de leurs dépenses. Mais une fois que les ressources qu'elles avaient, une fois que celles-ci étaient finies, elles ont dû reprendre le travail. Et c'est à ce moment-là qu'elles exprimaient donc la peur d'être contaminées. Là aussi, le témoignage de Hakima illustre bien ce propos. Nous vivions dans la peur. Nous disions qu'aujourd'hui, les autres sont contaminés. Demain, ça sera nous. Il y avait des cas dans notre village. Nous avons eu peur après avoir vu cette nouvelle. Nous avons pleuré et prié Dieu pour qu'il les guérisse. Nous étions terrifiés. Je me réveillais la nuit et j'avais peur. Alors, à la base de ces expériences-là, donc, comment les jeunes producteurs de pastèques, les petits agriculteurs, les femmes rurales, les ouvriers et ouvrières ont fait face à ces contraintes? Donc, dans le cas des ouvriers ou des jeunes producteurs des pastèques, donc, il faut savoir qu'ils ne sont pas à leur première crise. En fait, l'année 2018, par exemple, a été une année difficile pour beaucoup d'entre eux. En fait, cette année, la production de pastèques a dépassé la demande sur le marché. Ceci a entraîné une chute de prix et beaucoup se sont alors retrouvés avec des dettes. Donc, c'est pourquoi ils ont décidé par la suite de minimiser leurs charges dans les années suivantes en réduisant notamment le nombre d'intrants utilisés, en réutilisant le matériel de seconde main comme par exemple les tuyaux d'irrigation, alors que d'autres ont décidé de réduire carrément la surface de pastèques de culture qu'ils font, tandis que d'autres ont diversifié leur culture. Donc, ces expériences, combinées au fait qu'ils ont une connaissance commune des pratiques agricoles partagées sur des groupes d'agriculteurs comme les groupes WhatsApp et qu'ils sont issus de familles d'agriculteurs locales et ont déjà quelques expériences agricoles, ont contribué à la résilience de ces jeunes face à cette crise ou face à la pandémie. Donc, dans ce cas, même si la plupart des agriculteurs ont réalisé peu ou pas de bénéfices cette année, mais au moins la majorité d'entre eux ne se sont pas retrouvés avec des dettes supplémentaires qui viennent s'accumuler aux dettes qu'ils ont déjà à partir des années précédentes. Donc, comme nous avons déjà expliqué, donc, il y avait un problème de pénurie d'offres de la main-d'œuvre. C'est la raison pour laquelle cette année, les jeunes agriculteurs ont décidé de recruter, de procéder par un recrutement des ouvriers
localement à travers le bouche à oreille, mais également donc en créant un mock-up virtuel, notamment à travers le recours à différents réseaux sociaux, comme l'explique Ahmed. Les agriculteurs ont un groupe sur WhatsApp ou Facebook. Tu donnes ton numéro de téléphone à un agriculteur, puis tu lui demandes de partager ton numéro dans son groupe WhatsApp. Et quand ils ont besoin d'ouvriers pour le chargement, ils te contactent. Et là, ils parlent de chargement pour désigner l'opération de récolte des pastèques. Donc, deuxième façon qui a permis de faire face à la pénurie de l'offre de la main-d'œuvre, c'est que les ouvriers se sont organisés collectivement et se sont mis à se déplacer collectivement d'une parcelle vers une autre jusqu'à ce que toutes les parcelles chez tous les agriculteurs aient été récoltées. Pour les ouvrières, en fait, elles ont très peu de choix. Comme on l'a dit tout à l'heure, elles doivent reprendre le travail parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins. Et donc, elles aussi, elles ont développé différentes stratégies afin de pouvoir continuer ce travail, mais aussi afin d'éviter les autorités. Donc, une première stratégie, c'est de travailler en secret sans que les autorités nous voient. Par exemple, elles partent à 3h du matin au Mokhef, quand il n'y a pas encore les barrages de police, ou bien elles prennent des petites routes pour rejoindre le Mokhef. Une deuxième stratégie, c'est la mobilisation de son réseau professionnel ou de voisinage pour trouver du travail. Donc, les ouvrières, elles sont contactées directement par l'agriculteur qui passe les récupérer de chez elles et les ramène à l'exploitation. Ou bien certaines, elles préfèrent de travailler chez des petits moyens agriculteurs dans leur propre localité ou dans les localités voisines. Elles préfèrent de travailler comme ça pour éviter les transports en commun qui sont en temps régulier très chargés. Hein. On transporte beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières dans des pick-up, des taxis collectifs pour les ramener du Mokhef sur les terrains agricoles. Ou bien, elles préfèrent donc de travailler de cette manière pour aussi éviter les barrages de contrôle. D'autres ont essayé de diversifier les ressources de revenus. Certaines qui n'ont pas pu, trouver du travail se sont reconverties en femmes de ménage. D'autres ont essayé de recourir à des formes d'entraide pour assurer différentes charges. Donc, par exemple, d'acheter des recharges téléphoniques ou d'Internet pour que les enfants puissent continuer leur éducation à distance. Et d'autres encore ont emprunté de l'argent ou ont pris des denrées à crédit chez l'épicier, mais du coup, elles se sont aussi très endettées. Donc, en guise de conclusion, nous avons illustré que déjà la pandémie est une période quelque part révélatrice. Je pense qu'en termes d'un point de vue sociologique, c'est une crise qui est très intéressante et qui révèle beaucoup de nouvelles choses. D'un premier lieu, elle illustre comment certaines inégalités socio-économiques et de genre qui existent déjà sont renforcées. Donc, par exemple, là, on a bien illustré que les catégories les plus vulnérables sont plus exposées et ont peu d'alternatives, comme la situation des ouvrières agricoles, des femmes rurales oasiennes ou encore les ouvriers dans les oasis qui ne peuvent plus se déplacer à l'extérieur de la vallée pour trouver du travail. Et ils ont bien illustré ce propos. Deuxièmement, la pandémie aussi a amplifié d'autres problèmes vécus, comme la sécheresse, la salinité de l'eau ou la précarité sociale et économique. D'autre part, on a aussi vu que les acteurs ruraux ne sont pas uniquement victimes de la situation, mais aussi cette crise teste leur résilience et les pousse à développer diverses stratégies d'adaptation pour survivre. Que peut-on apprendre de ces expériences locales et de leur ingéniosité?
Par exemple, les jeunes agriculteurs qui ont eu du mal à vendre leurs produits, je pense que leurs stratégies d'adaptation, quelque part, sont inspirantes. Non seulement elles contribuent à réduire les coûts, mais aussi, peut-être, elles sont moins nocives pour l'environnement et la santé humaine. D'autre part, des initiatives d'aide mutuelle, de nouvelles formes de liens locaux entre les travailleurs et les agriculteurs ont été mises en place. Et ces résultats sont intéressants pour mieux comprendre comment affronter les risques d'aujourd'hui, mais aussi les risques qu'il y aura dans le futur. D'autre part, cette pandémie et les différentes méthodes avec lesquelles nous avons travaillé nous poussent aussi à revoir comment faire la recherche. Parce que, bon, avec les changements climatiques, je pense que les méthodes qu'on avait avec des équipes qui vivaient, des équipes de recherche qui étaient, par exemple, en Europe, qui viennent faire leur terrain au Maroc, en termes d'impact climatique, je pense que c'est très, très nocif. Et du coup, là, on découvre d'autres méthodes qui pourraient justement donner des alternatives pour faire des terrains qui sont peut-être plus durables sur le long terme. Ou bien, il faut peut-être aussi choisir des terrains qui sont plus proches des chercheurs, donc faire un terrain à la maison ou dans son pays. Merci beaucoup pour votre attention et je cède la parole aux organisateurs pour la suite. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement fouillée, extrêmement précise. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage d'écran, peut-être? Voilà, très bien. Merci beaucoup. Je vais donner la parole tout de suite à Laurent qui avait une question à poser. Moi, j'en aurais également d'autres peut-être à poser. Et puis, le public peut se signaler pour en poser à son tour. Oui, merci beaucoup Hind et Lisa, c'est vraiment très, très intéressant. Je pense que l'approche est tout à fait stimulante parce que ça signale plein de choses qu'on peut comparer dans chacun de nos terrains et c'est vraiment l'objectif de ce séminaire transfrontalier. Je suis tout à fait sensible aussi aux questions de méthodologie et puis aussi aux questions de d'outils qu'offre finalement cette pandémie aussi pour diffuser sa recherche. Je pense que là, on a tous et toutes découvert depuis mars dernier eh bien, cet outil assez formidable qu'on appelle Zoom ou Teams ou autre, mais qui change réellement, je pense, notre appréhension de beaucoup d'enjeux, d'échanges, de diffusion de notre recherche. Moi, ma question, elle concernait peut-être une question qui est assez annexe à ce que vous avez présenté, qui là concernerait plutôt la réception en fait de la pandémie et les discours. Essayez de que vous puissiez peut-être nous éclairer sur la façon dont les sociétés, les individus que vous avez avec lesquels vous interagissez, ont perçu la pandémie. Est-ce qu'il y a un discours qui finalement conteste la réalité de la pandémie? Et puis, à côté de ça, vous avez évoqué en fait la peur de la contagion, mais est-ce qu'il y a eu réellement une prévalence importante en fait de cas dans les régions que vous avez étudiées ou bien elles sont restées à côté, en fait, à l'écart de la diffusion du virus? On réagit tout de suite ou on collecte plusieurs questions? Hint, je ne sais pas si... Je peux commencer? En fait, je veux juste réagir par rapport à ce point sur la peur. En fait,
Je pense qu'il y a lieu de distinguer entre la peur de la contamination ou de la pandémie en soi et la peur de ce que les répercussions des mesures instaurées auront sur ces différentes catégories. Par exemple, quand on parlait aux agriculteurs, ce n'est pas la peur de la pandémie qu'ils évoquaient. Donc, au-delà du fait de croire qu'il y a une pandémie, qu'il y a un risque de contamination, pour eux, le risque, c'est-à-dire le risque concret, c'est le fait qu'on a restreint la mobilité, qu'on a empêché les intermédiaires de venir sur place. Donc, pour eux, donc, c'est une nouvelle année de crise qui se profile à l'horizon. C'est des dettes supplémentaires qui vont s'ajouter. Donc, je pense que c'était un peu ça l'esprit qui était prégnant, c'est-à-dire à travers les entretiens, à travers les échanges avec particulièrement cette catégorie d'acteurs ruraux, en l'occurrence les jeunes agriculteurs. Mais en fait, donc, de manière générale, dans la vallée de Draa, par exemple, donc les contaminations en milieu rural, ils n'étaient pas très nombreuses, donc comparées c'est-à-dire aux contaminations en ville. Donc, ça en termes un peu de peur ou de crainte d'être contaminé par rapport à la pandémie. Toutefois, parce qu'on a eu aussi des expériences des ouvrières dans le Raab et le Seis. Et là, en fait, on a trouvé plusieurs gros foyers, notamment dans le Raab, où il y a eu énormément de cas. Hein, dans les différentes fermes de fruits rouges, dans le traitement des fruits rouges aussi, dans les stations. Donc là, il y avait vraiment énormément de cas. Et donc aussi, je pense, la peur qui s'est propagée. Et là, il y a, parce que chez les ouvrières, on a remarqué vraiment une peur par rapport à la maladie et moins par rapport aux restrictions liées au confinement. Et par rapport à la réception de la pandémie et le discours, bon, on n'a pas eu de contestation. Hein. Tous, ils croient à à ce virus, à cette pandémie. Et parfois, bon, il y a un manque d'information. Hein, ça, on l'a remarqué aussi de plus en plus, on a plus remarqué, pardon, chez les ouvrières. Hein, mais on n'a pas eu de contre-discours, en fait. Non, pas du tout. Et merci pour les questions. Merci à vous. Alors moi, j'ai des questions qui sont des questions économiques de quelqu'un qui n'est pas du tout un économiste et qui a donc une grande, comment dirais-je, naïveté sur les questions qui seront posées. Alors, la première concerne quelque chose qui me semble étonnant, c'est-à-dire qu'au début de la pandémie, pour les denrées agricoles qui viennent à être mûres à peu près au moment où le confinement se fait dur au Maroc, il y a pénurie de main-d'œuvre, il y a d'abord une pénurie d'ouvriers. Or, je pensais naïvement qu'à partir du moment où il y a une pénurie de main-d'œuvre, cela veut dire qu'il y aura moins de récolte, que la récolte va être beaucoup plus chiche et que donc à partir du moment où le produit est plus rare, les prix vont monter. Or, ce que vous nous avez expliqué, c'est que c'est exactement le contraire qui se produit, c'est que en fait les prix vont s'effondrer en dépit de ce qui me semble être une rareté de la marchandise. Alors, est-ce qu'il y a eu effectivement rareté de la marchandise ou est-ce que finalement rapidement ont pu s'implanter ces mokefs virtuels dont vous avez parlé, de sorte que finalement il y a eu dans, que ce soit pour la pastèque, que ce soit pour les fruits rouges, que ce soit pour les autres denrées maraîchères, est-ce qu'il y a eu effectivement possibilité de faire une récolte satisfaisante, au moins sur le plan quantitatif? Je donne l'exemple toujours de la pastèque. Par exemple, même s'il y a eu cette pénurie, donc le fait justement de s'organiser collectivement d'abord
et d'avoir recours aux morphes virtuels. Donc, ça a créé une certaine organisation au sein de ces groupes ou de ces équipes d'ouvriers. Donc, et grâce à cette organisation-là, donc, ils ont réussi à sauver la compagnie agricole, si on veut, et à sauver la production des pastèques. Donc, ils ont réussi, donc, par exemple, au début, s'ils travaillaient, par exemple, pendant la journée, cette fois, ou par exemple, si une équipe qui est formée entre 6 ou 7 ouvriers, parce que d'habitude, donc, ces ouvriers-là, ils travaillent en équipe. Donc, ils se déplacent en équipe, ils font la récolte d'une parcelle en équipe. Donc, par exemple, si une seule équipe, il fait, par exemple, deux parcelles par jour, cette année-là, donc, ils ont multiplié un peu. Par exemple, au lieu de deux, ils font trois, quatre parcelles. Donc, et c'est ce qui a sauvé un peu donc, qui a pu un peu sauver la récolte. Par contre, donc, cette pénurie-là, elle a été traduite par une augmentation des salaires qui sont exigés par ces ouvriers. Voilà. Donc, par exemple, je donne juste un exemple. En temps normal, le chargement d'une remorque, pardon, donc le grand camion où on chargeait les pastèques, il variait entre 1 400 dirhams et 1 500. Mais actuellement, avec toutes ces contraintes-là, donc ça pouvait aller entre 2 000 à 2 500 dirhams. Donc, vous voyez, donc, donc un peu voilà, ces équilibres qui ont été réalisés pour ces négociations au prix de négociation entre producteurs et entre ouvriers. J'ai une Par exemple, Ah, pardon. pardon, Allez-y. Allez-y. juste un petit commentaire, un petit ajout. Donc, par exemple, aussi pour les fermes de fruits rouges qui sont souvent orientées donc, pour l'exportation et qui sont des grandes fermes, eux, par exemple, ils ont des employés fixes. Donc, ils ne passent pas forcément à travers le Mont-Reuf. Ça, et donc le Mont-Reuf, c'est surtout pour les petits et les moyens agriculteurs. Et eux, en fait, ce qu'on a aussi vu dans les entretiens, c'est qu'ils faisaient recours à la main-d'œuvre familiale. Hein, donc, comme ça, ils ont quand même pu assurer leur récolte hein, tout en sans utilisant une main-d'œuvre extérieure, hein, mais qui impactait du coup aussi la demande en main-d'œuvre et le prix. Oui, par exemple, juste pour compléter, par exemple, dans le CEIS, puisqu'au moment du confinement, il y a eu arrêt c'est-à-dire qu'on partait plus à l'école. Donc, les étudiants, ils sont rentrés chez eux. Donc, et ces étudiants-là, ils ont été utilisés comme main-d'œuvre, comme des aides familiaux pour combler le manque en main-d'œuvre extérieure qui devenait rare, oui, avec les barrages qu'on a, avec les autorités qui empêchaient les ouvriers de se réunir dans le Mont-Reuf. Donc, ça a réussi un peu à combler ce vide-là ou ce manque de la main-d'œuvre. Est-ce que, il n'y a pas eu cependant parallèlement un trop-plein de main-d'œuvre dans le sens où nous savons que beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières agricoles marocains se rendent dans le sud de l'Europe en été, par exemple pour les champs de fraises en Espagne, où je crois qu'il y a beaucoup de travailleuses marocaines qui participent à la récolte, le sud de la France, les vendanges, etc. Est-ce que ces travailleurs marocains ont pu effectivement, avec les limitations de déplacement, se rendre vers le sud de l'Europe ou pas? Et s'ils n'ont pas pu, est-ce qu'il n'y a pas eu pour le coup une main-d'œuvre qui a recherché des emplois sur place, là où d'habitude elle va plutôt rechercher des emplois saisonniers dans le sud européen? En fait, c'est une question qu'on a moins touchée parce qu'en fait, les ouvrières avec qui on était en contact, elles étaient sur place. Hein, donc, mais on a eu deux ou trois femmes qui ont l'habitude de partir en Espagne et qui ont dit que cette année, elles n'ont pas pu partir ou bien qu'ils sont restés bloqués. Hein, donc, aussi, du coup, qui n'aimeraient pas repartir. Donc, je pense que ça aussi peut-être saturé quelque part les Mont-Reuf, en tout cas l'offre de main-d'œuvre. Hein, parce que dans les entretiens, quand on demandait, voilà, en temps normal, combien de jours vous travaillez par semaine pendant cette période, elle disait, ben, on travaille presque chaque jour, alors que cette année, elle travaillait un ou deux jours par semaine. Hein, donc, vraiment, ça a beaucoup diminué. Ouais.
Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce que parmi les gens du public, il y a d'autres questions à adresser aux conférencières? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, je vais laisser la parole, dans ce cas-là, à Julien Marie de la Maison des sciences de l'Homme Sud pour intervenir et pour présenter le réseau, éventuellement faire connaître aux chercheurs marocains qui sont avec nous ce réseau. Merci Frédéric. Merci Laurent aussi de m'avoir invité. Vous m'entendez bien ? Tout à fait. Oui. Bon, tout d'abord, désolé, hein, je m'étais excusé auprès de Frédéric et de Laurent, mais j'ai pas pu. J'étais bloqué par une autre réunion. On enchaîne les visios, comme j'imagine vous tous. J'étais bloqué juste avant, donc j'ai pas pu assister à l'ensemble du webinaire. Je l'ai pris sur le tard. Donc voilà, Frédéric et Laurent. Donc je me présente. Je suis donc Julien Marie. Je suis le référent scientifique de la Maison des sciences de l'Homme Sud à Montpellier. Je suis par ailleurs historien. Et voilà, Frédéric et Laurent m'ont invité à présenter en fait un webinaire qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant sur les sciences à l'épreuve des crises sanitaires, environnementales et plus précisément l'épreuve de la pandémie. Donc voilà, on avait commencé, donc on a initié la discussion avec Frédéric et Laurent, et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter la chose ici. Donc voilà, d'où vient ce cycle en fait. On a bien vu hein, la crise de la Covid-19, donc nous a beaucoup tous interpellés en tant qu'acteurs de la recherche, aussi en tant qu'acteurs de terrain, a suscité beaucoup de réflexions en profondeur hein, dans tous les champs du savoir, et on a vu une multitude là à partir du printemps, et le séminaire SOCOSMA en témoigne hein, une multitude d'initiatives de recherche qui se sont développées à partir du printemps, tant je dirais cette pandémie a directement impacté nos différents terrains, revisité nos champs, réinterrogé nos objets, voire même peut-être même nos pratiques et nos postures de recherche. Donc il y a plein d'initiatives comme ça qui sont nées, et à la fin du printemps, l'INSHS, donc l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, et l'INSERM ont proposé, en collaboration avec le réseau national des MSH, des Maisons des sciences de l'Homme, de tenter de coordonner, de structurer en fait ces différentes démarches dans le cadre donc d'une initiative, alors qui porte un acronyme absolument épouvantable, comme on en a le secret, qui s'appelle HS3P Crise. Et c'est dans le cadre donc de ce dispositif qu'on a initié la MSH Sud au printemps un cycle de webinaires, donc du coup, et qu'on essaye donc d'élargir depuis via le réseau des MSH. À la question plus globale en fait des crises sanitaires et environnementales dans une perspective évidemment interdisciplinaire, alors intra SHS mais aussi entre SHS et autres sciences, et en allant aussi au-delà du coup des sujets qui sont liés au seul Covid. En fait, il s'agit de se servir un peu de cette crise comme d'un levier en fait pour aborder des aspects donc très variés des crises sanitaires et environnementales. Donc il y a plein d'exemples hein, je vais pas les citer, mais sur les circulations évidemment, l'émergence de nouvelles conceptions de la santé etc., les relations plus largement de l'homme à son environnement, aux animaux, etc. Et donc voilà, ce cycle de webinaire en fait, donc on l'a élargi donc à l'ensemble des 22 MSH qui composent le réseau des MSH. On a publié un appel à participation, et c'est un appel qui a été élargi en concertation donc avec l'INSHS et sa DAS internationale, donc Sylvie Desmurger, ben aux UMIFR, en se disant que ça pouvait être intéressant évidemment d'internationaliser les perspectives de réflexion, et au-delà de favoriser en fait les échanges, les confrontations de terrain et d'approches. Donc voilà, Sylvie Desmurger a envoyé cet appel du coup à l'ensemble donc de son réseau du MIFR. On a déjà eu quelques retours. L'Institut français de recherche sur le Japon notamment a proposé une thématique pour l'année prochaine. Et voilà, il nous semblait intéressant du coup de creuser la chose avec vous. Donc, je ne vais pas détailler le programme. Vous avez tout sur le site. Excusez-moi, j'aurais dû peut-être préparer un petit PowerPoint, mais je n'ai pas eu le temps. Mais vous avez tout sur le site du réseau des MSH, sinon pour avoir une vue plus précise sur les différents webinaires qu'on a jusque-là organisés.
Mais ce qui me semblait important, voilà, de vous préciser surtout, et c'était du reste voilà, la commande de Frédéric du coup pour cette séance, c'était de vous préciser voilà, ce qu'on entendait faire via ce webinaire. En fait, on le conçoit vraiment comme un outil d'animation scientifique au sens plein du mot et de mise en réseau, et comme surtout un outil entièrement à votre disposition. Autrement dit, ce que ça signifie très concrètement, c'est que les propositions voilà, qu'on accueille dans le cadre de ce webinaire, voilà, vous pouvez faire librement du coup remonter des propositions et qui peuvent concerner ben, alors, soit des sujets de recherche, je dirais, assez exploratoires et qui demanderaient en fait à être présentés devant un cercle un petit peu plus large. Peut-être, pourquoi pas, notamment pour trouver de nouveaux partenaires, voilà, de nouveaux partenaires de recherche sur ces sujets-là, dans la perspective, pourquoi pas, donc de commencer à construire, à réfléchir à la constitution d'un consortium de recherche, ou en tout cas d'initier une réflexion un peu plus large et de partager certains éléments de questionnement avec d'autres collègues sur d'autres terrains. Et vous pouvez aussi présenter tout à fait des recherches beaucoup plus consolidées qui chercheraient, pourquoi pas, à élargir un peu leur cercle de diffusion. Et là, du coup, le comité en charge de la programmation de ce cycle fera, du coup, se propose de faire une communication un peu ciblée auprès d'acteurs que vous souhaiteriez en particulier toucher par ce propos. Donc, je disais, voilà, c'est un outil donc, d'animation scientifique et de mise en réseau parce qu'il s'appuie voilà, pleinement donc, sur l'initiative CNRS-INSERM que je mentionnais tout à l'heure, du coup, qui est une initiative en fait, qui vise à essayer de changer un peu le prisme de la manière dont on incite voilà, des formes de recherche. Hein. Souvenez-vous, peut-être, voilà, en tout cas pour certains collègues qui ont pu voir passer ces appels, les appels qu'on avait eus suite aux attentats de 2015 en France, voilà, il y avait eu des appels à projets un peu voilà, d'opportunités qui avaient été lancés de manière assez réactive. Et là, voilà, suite au Covid, il s'est dit en tout cas que cette crise avait des éléments en tout cas structurels sur lesquels il fallait compter, et qu'il était peut-être temps voilà, d'organiser un peu autrement en fait, les modalités d'organisation de ces projets. Et cette coordination nationale INSERM-CNRS et ce webinaire comme outil d'animation scientifique vise précisément du coup à ça, à essayer du coup d'accompagner en fait voilà au-delà du coup éventuellement le montage donc de nouveaux projets de manière un peu plus ascendante que ce qu'on fait habituellement avec les appels à projets voilà qui sont assez descendants. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez tout à fait donc me contacter. Donc je suis Julien Marie, je vais laisser peut-être dans l'espace de commentaires, ou alors on enverra les choses par mail, voilà mes coordonnées mail. Donc ça, c'est pour la partie concernant donc le webinaire. Et puis sinon, plus largement, sur l'initiative CNRS INSERM, vous pouvez aussi contacter ma collègue Claire Couly, du coup, qui s'occupe notamment de recenser les projets de recherche à tous les stades, hein, en quelque sorte, de développement, à tout stade de développement touchant aux crises sanitaires et environnementales, et qui entend essayer de les accompagner voilà, afin de monter vers des appels à projets un peu plus gros qui ne tarderont pas et qui commencent déjà à sortir. Merci beaucoup. Et j'ai mis dans la fenêtre de conversation, j'ai placé le lien vers HS3P Crise. Crise, voilà. Absolument. Qui cite d'ailleurs le webinaire SOCOSMA d'ailleurs dans ses références. D'ailleurs. Très bien. Merci donc à tous d'avoir assisté aujourd'hui à ce webinaire. Merci beaucoup aux deux intervenantes pour cette présentation tout à fait passionnante. Et nous nous retrouvons pour une prochaine séance qui, a priori, devrait être depuis le Caire, le 12 janvier prochain.